Hey yo les gens, c'est DragSurvie, c'est aujourd'hui qu'on se retrouve pour sur notre MMORPG, hein, après tout. On va continuer Blaze Under Den, donc on va continuer notre petit jeu sur ce jeu de MMORPG. Alors je sais que il y a pas mal de personnes qui ont apprécié la première vidéo, j'ai pas vu encore la deuxième parce que je l'ai posté le jour où je tourne la vidéo, donc je tourne à la suite de Fortnite. On va me dire, ouais, mais tu tournes tout le temps à la suite. Alors non, c'est parce que le truc, c'est que cette semaine et ce week-end, je suis pas là. En temps normal, je tourne ça le week-end, comme ça je suis tranquille. Je peux les monter tranquillement pendant la semaine. Et comme ça, quand je les pose le jour J ou jour d'avant. Comme ça, je suis plus tranquille pour me dire, bah voilà, je fais tel machin et tel machin. Donc, on va continuer, bien sûr, notre aventure avec Blaze Under Deld. Alors, attendez, je vais lancer le jeu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Surtout, les commentaires, ça aide la chaîne. Et moi, je serai content. Il n'y a que deux personnes sur le serveur, là. Bah, faut dire qu'il n'y a pas grand monde. Lancer la partie... Donc, hop, je lance le jeu, piste 1, Undergame, voilà, c'est parti. Donc, on va continuer notre petite aventure. Alors, bien sûr, j'ai pas continué, je voulais continuer sans vous, au moins jusqu'à aller à la prochaine ville, sauf que je me suis dit, il y a quand même pas mal de quêtes sur le chemin. Avant d'atteindre une ville, j'ai regardé 2-3 trucs un peu à droite à gauche. Et il y a pas mal de quêtes, pas mal. Il y a pas mal de petites choses qui sont intéressantes. Donc les améliorations, les trucs comme ça. Donc une armure, les trucs comme ça. Et je me suis dit, vaut mieux que je le fasse avec vous. Donc on va tourner entre 20 à 30 minutes, bien sûr. Comme ça, ça sera plus tranquille. J'espère que vous allez passer un bon week-end pour la suite, parce que bon, moi je tourne cette vidéo, c'est pareil, ça sera le week-end, donc j'espère que vous passez un bon week-end. Et je pense que pour le MMORPG, ça sera tous les vendredis, ça sera pas, il n'y en aura pas deux dans la semaine, je préfère le faire comme ça. Donc on était là, donc on avait fait les quéquettes donc avec les loups et on avait parlé à Marco. Donc on avait mis les fleurs sur les tombes de la personne qui nous avait aidé. Donc là j'ai éliminé des loups, alors bon ça c'est assez facile. Pour la suite, faut machiner, hein. Je butais l'alpha. Il y a deux alphas. Donc là on va suivre le petit trait bleu, bon, de toute façon normalement ils vont lâcher la grappe à un moment donné. Voilà, donc ça c'est un téléporteur, ça c'est bon. Donc petite suite, voilà le palais de mon ami V.
Vittorio. Voilà le parler. Mon ami Vittorio. Attendez. Il a besoin de, ton aide. Écoutez-moi. T'intéresse-toi aussi. Alors bon, c'est des quêtes un peu principales, sans parler principales et secondaires, parce que les secondaires sont quand même utiles sur la suite. Il y a certaines choses qui sont différentes de certaines choses, mais voilà, c'est... Bon, il y a un boss juste à gauche, je vais éviter d'aller lui gratter les pieds. Chevalier, machin... Interagir. Voilà, pourquoi restez-vous là? Alors, merci du conseil. Ok, par contre, on a un utiliser. Volariser un objet, s'asseoir et partager, cuisiner. Mais normalement, c'est pas là. Ah oui, c'est au niveau de ça. Niveau 26, donc il y a quand même un joueur, comme vous le voyez, il est là. Alors bon, après, chacun fait ce qu'il veut ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le coffre, il doit être là-haut. Bon, c'est pas trop grave. Là, il y a une bébête de niveau 3. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Attendre qu'il me relève, mais là alors attendez, parce que je suis complètement paumé au niveau des touches quand on prend pas la main sur un jeu comme ça. Et puis que bon, ça va, il y a le putain, il a récupéré ses PV. Parce que voilà, niveau 3 il fait très mal, faut que je sois amélioré. Donc on va continuer notre chemin, on veut faire la mission principale au minimum. On va juste sac, combat, compétence. J'ai un point de compétence. Frappe finale. Voilà, donc bon, il y a quand même. J'ai qu'un point. Ouais, j'ai qu'un point. Ok, les enquêtes, journal des quêtes. Là, c'est lui, donc ben, pour le moment, on va le laisser de côté. On va le laisser de côté, on va passer tout droit. Livreuse blessée, interagir. C'est dans le jeu par là. Ok. Ok, alors par contre.
mais c'est du niveau 3. Mais oui, c'est vrai que j'ai de la potion, moi. Ok, bon, mais... Bon, les missions secondaires sont assez... Normalement, elles sont cool, mais... ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Vaincre le roi des loups près de la ferme de Marco. Des exos. À nourrir le canard, apparemment. Tout ça pour nourrir un canard. Voilà. J'ai nourri un canard. On va éviter les bandits. Il y en a quand même quelques-uns qui spawnent encore. C'est cool d'avoir d'autres joueurs qui sont sur un MMORPG qui est de 2020, qui est pas plus vieux, hein. Clairement, 2020, c'est cool. Alors attendez, parce que pourquoi j'ai un point rouge là-dedans? Attendez, j'ai un coffre là. Je le vois pas. Il y a un coffre là, mais je le vois pas. Ah, attendez, non, il est de l'autre côté. Ah, il est là. Alors pourquoi j'ai un point rouge? Alors est-ce qu'on peut se battre maintenant avec les joueurs? Oui. Ou c'est un indicateur de personne? Oula, ça freeze. Quand ça... Quand tu passes dans une autre zone et puis que ça freeze, c'est pas mon marchand de monture. Ok. Faites voir ce que vous avez là, vous. Montre-moi. Ok. Appel du loup. Éléphant. Cheval machin. Attendez, parce que c'est quoi? C'est permettre d'identifier. Vous pouvez capturer pendant 10 minutes au minimum la chasse. Sus. Ok. Puma, cerf, lion. Bœuf, buffle, loup, smilodon, sanglier,
l'hippopotame, taureau infernal, chacal, crocodile, gazelle, pierre rare, ok, carte de loup brun, sanglier, ok, d'accord. C'est pas vraiment un marchand de sanglier, et c'est pas vraiment un marchand de... Il est là juste pour... Voilà. Donc là, on arrive à la première... on va dire c'est la première zone... c'est la première zone globale, parce que... C'est là où il y a quand même pas mal de personnes. Novice... Oh, il y a des méchants, là. Et le bonjour, gna gna gna. D'accord. Alors, par contre, j'imagine. Voilà le coffre en bois. Hein. Voilà. Pot de sac. Alors, par contre, il n'y a pas un TP là. Interagir. Qui êtes-vous? Vous êtes avec elle. Avec les brutes masquées. Gardons le bonjour. Vous êtes la personne qui est là pour m'aider, voilà. Ok, d'accord. Ok. Alors, résous le... je dégomme 3 méchants. Pas costaud. Ok, alors... Ils ont pris peur, alors fallait battre 3 mecs pour qu'ils prennent peur. Ok, d'accord. Merci de ton aide, nanana. Ok. Bon, après là c'est vraiment que le début et c'est vraiment assez simple, hein, clairement. Alors je débloque toujours les missions secondaires parce que comme vous le voyez, on a quand même on a quand même pas mal de petites choses qui s'affichent, donc comme les points ou les trucs comme ça. Donc c'est assez cool. Par contre, j'aurais bien voulu avoir mon TP pour retourner battre le gros loup. Alors je sais pas si... Ah, il est là. Ok, donc ça c'est bon. Donc on va se téléporter, donc utiliser. Alors je vais pas débloquer le machin parce que sinon ça va être trop laborieux. Je pourrais... Attendez, c'est quoi ça? Quête disponible. Arbre à saut. Ok. Hop, on se TP. Donc on va prendre notre temps, bien sûr. Hein, bien sûr, en faisant les quêtes secondaires, les quêtes principales, je vous le dis tout de suite. On va pas se précipiter parce que quand on se précipite trop, surtout en laissant des quêtes derrière, des fois ça peut gâcher votre système de jeu, surtout en MMORPG. Par contre, l'arrivée est quand même assez badass. Putain, mais je l'avais pas vu le coffre, il était là. Il était dans les buissons. Il était dans les buissons, il jouait cache-cache. Ok, Roi Loup est passé de niveau 3 à niveau 2, donc... ah non. Vraiment chiant.
J'ai des popos. Ça descend quand même pas beaucoup. Hein. Bon, on a pris le coup de main, c'est pas trop direct. C'est long. Chaton là. Quand on a pris le coup de main en espérant que ça change pas. C'est tout à fait normal. Noir. Hop là. Qui fait noir. J'ai envie de dire non, c'est pas vraiment normal, mais c'est pas grave. Des loups a été rallouté. Voilà, et on a eu des gants. Donc défense 30. Par contre, ok, voyons voir ce qu'on a eu. Objet obtenu. Donc on a eu un casque. Un coup sur la gueule. Comme vous l'avez vu, il a respawn, hein, bien sûr. Il me tire comme ça, il aura plus l'aggro. Putain, mais il me suit. Le truc, il me suivait, quoi. Alors, récupère, bien sûr. Les trucs de calendrier. Comme vous l'avez vu, j'ai pas joué depuis. Hein. 17, on va mettre celui-là. On va détruire ça. Par contre, on n'a pas eu arme secondaire. Donc là, on a eu un bouclier. L'épée, ok. Ok, consommable. Qu'est-ce qu'on a? On a les pommes, machin. Ok, bon, bah, j'ai pas eu de trucs en supplément. Alors attendez, je vais aller quand même reparler. Parce que vu qu'il a pas eu le temps de me laisser discuter. Ok.
Voilà. Quête terminée. Et normalement, si je suis pas con. Si j'ai eu le temps. Il est où, quoi? Il est là. Voilà. Par contre, normalement. Ouais, on va éviter les conneries. On va éviter les bêtises. Alors là, on a terminé. Donc on va sur-TP et puis ça va faire une bonne vingtaine de minutes. Je pense qu'on va continuer un peu à avancer. Mais alors bien sûr, vous pouvez récupérer du bois, des trucs comme ça, parce qu'il y a tout un système de craft aussi. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc normalement, si je ne me trompe pas, il y a certaines choses que vous pouvez récupérer. Alors bien sûr, vous avez un point qui s'affiche. Je pense qu'il n'y en a pas là, pour le moment. Si, bah attendez, je comprends pas. Pourquoi ils disparaissent? Ok, alors je pense que c'est parce que il n'y a pas le truc. Hop, donc on se TP. Alors normalement, moi j'utilise pas de monture parce que les montures sur des jeux comme ça sont assez compliquées. J'ai toujours trouvé que c'était assez compliqué à utiliser. Après, je sais pas, pour le moment, tant que j'ai pas de monture, je peux pas vous dire. Mais je sais que moi, à l'époque, les montures, je les voyais en horreur. Parce que, ben, quand t'allais à gauche, des fois, le machin, il partait trop, et puis ça buguait. Donc, bon. Alors, par contre, l'arrivée m'a toujours trouvé. J'ai toujours trouvé ça marrant. Par contre. C'est quoi ce point, là? Alors là, on a. Ok. Normalement, faut faire le tour hein, pour la mission, parce qu'on peut pas rentrer normalement. Faut passer par là, je crois. Donc, on va prendre le barde et l'homme qui valait 3. Alors, normalement, c'est valet 3 milliards, mais là, c'est valet 3 anchois. Hein. Ok. Un barde. D'accord, pourquoi pas. Alors oui, alors bon, il y a certaines quêtes comme celle-ci, là, c'est une quête, voilà, faut écouter ce qui chante, machin. Petit chiot errant. Ah par contre, si on peut avoir le chien, en tant que, qu'animal de compagnie, ça pourrait me... Par contre, que ça soit n'importe quel jeu. Voilà. Petite quête assez facile, hein, faut juste écouter. Voilà, bon. Ça c'est assez simple, j'ai envie de vous dire. J'ai 5 points. LT. Ok, j'ai 5 points. Va falloir peut-être que je débloque les combos, moi. Combo bénédiction. Ouais, c'est vrai qu'on a des bénédictions aussi. Bon, ça c'est pour plus tard, hein, bien sûr. Mais ouais, ok, d'accord. Bon, bah, on va continuer, hein, monter. Pêcheur Choubi. La gueule
Ça, c'est cool parce que les personnages ressemblent tellement à un truc, ça pourrait tellement exister, c'est ça le souci, c'est... on pourra toujours se dire c'est un MMORPG ou quoi que ce soit, mais voilà, hein. Alors mon petit... Ouais, how you doing? impressionnant. Merci. Annulé, je suis... Donc, les portes, machin... La capitale, on va l'appeler. Parce que c'est souvent au même endroit. Moi, je suis pas allé plus loin, en fait. Je crois bien qu'à l'époque, j'étais niveau 13, comme je l'avais déjà dit dans les premières vidéos. Et c'est vrai que... autant débloquer les machines. Parce que quand on regarde après, il y en a certaines qui se mettent pas. Et puis il y en a qui sont en l'intérieur, les machins. Après, là, parler... Ouais, bon, après, il faut être à l'intérieur. Donc... Ok. I'm awaiting my orders. Et là, faut faire le tour. Faut faire le tour, hein, comme je l'avais prédit. Il n'y a quand même pas tant de joueurs que ça. Je pensais qu'il allait y avoir. Alors, bien sûr, pour les gros niveaux, ils sont plus dans les premières zones. Mais c'est surtout dans les dernières. Ok, tout ça pour passer, fallait que je prenne une caisse en choix, je m'en rappelais plus de celle-là. Ok, bon bah là maintenant on est dans la ville. On peut pas faire mieux. C'est quoi ça? Téléporteur. Ok, alors là c'est clairement un téléporteur rouge. Je savais même pas qu'il y avait... Je vois pas d'autres joueurs pour le moment. Alors je crois que dans la capitale, faut être plus à l'intérieur. Et voyons voir. Seen any combat lately? Là, on allume le feu. Garder la porte. Oh ouais, je croyais que t'étais mort, toi. Is everything all right? Alors à qui on a mis des fleurs? Ok. Vous avez une
de nouvelles compétences, ok. This is a powerful object. It is prana. Fascinating. I did not believe this necklace could be so easily destroyed. Perhaps it is no small coincidence you managed to survive the tragedy on Talarian. Oui, bah... Quand j'aurai trouvé une solution, je vous le dirai. Bon. C'est une blague. Alors pour vous dire, je dois partir dans quoi? Dans... Allez, peut-être dans une heure. Minimum. Et il flotte. Et il flotte. Youpi. Alors attendez, j'ai la quête là. Take your time. Have a look around. How's it going, pal? Toujours débloquer les quêtes secondaires. Comme ça, vous êtes tranquille. Parce qu'il y aura toujours des trucs, par exemple, où ben, ça vous vaudra le coup. Et voilà. Il y a des quêtes qui sont assez simples, assez rapides, comme vous le voyez. Moi j'aime bien ça parce que au moins. Puis j'ai envie de vous dire que ça soit des MMORPG, la plupart du temps ne sont pas si difficiles. Vous pouvez pas utiliser. Hein? Quoi? Vous ne pouvez pas utiliser la compétence que vous n'avez pas encore acquis. Alors attendez, parce que là je comprends pas. Ok, donc là on l'a débloqué. Et là, ok, d'accord. D'accord. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Consommable. Ok. Je ferai peut-être des lives dessus. On va se laisser là les amis aujourd'hui. Donc on aura bien avancé, hein. On a quand même fait pas mal de petites choses. Donc on a quand même bien, on a bien couru. Donc il y a quand même de là à là, on a quand même fait pas mal de petites choses. D'échantillons de Nick. Donc bon, normalement j'aurais pu débloquer l'arbre là. Mais j'ai pas envie de le faire pour le moment parce que je sais qu'après il y a pas mal de zones. Donc c'est plutôt cool. Donc on se retrouvera pour vendredi prochain sur le MMORPG. Moi je viendrai peut-être un peu tous les jours pour débloquer les récompenses de journée. Parce que voilà, j'ai pas envie de les garder trop longtemps. Après, je pense que normalement, il n'y a pas besoin. Après, on a un coffre, on a quoi là? On a ouais, non. Après, c'est quand même des compétences, des récompenses assez, voilà, un peu
un peu différente. Donc voilà, changement dans les 72-13 heures, ok. Ouais, après c'est surtout des coffres, des trucs comme ça. Après je pense qu'il y aura, je ferai des quêtes, je ferai des vidéos et des lives dessus. Parce que trop longtemps, machin, donc on se retrouvera sur Twitch la semaine prochaine. Alors, je pense pas que ça sera la semaine prochaine, mais je vous dirai quand on se retrouvera en MMORPG sur Twitch. Donc normalement, je remettrai le lien du disque, du machin, et voilà. Mais normalement, il y est, mon Insta est dedans, et vous pouvez aller vous abonner, partager, et mettre la cloche, laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Donc la vidéo, j'avais dit 30, 40, entre 20 et 30 minutes, je suis allé un peu plus loin. Mais bon, pour un jeu comme ça, moi je trouve qu'il est plutôt classe. Donc voilà, passez une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend comment vous la regardez. Passez une bonne journée et peace les gens, c'était Dark Survie.